Bonjour les amis, nous allons vous présenter une procédure de maintenance préventive pour un pousse-seringue électrique. La procédure ne nécessite pas l'utilisation d'un testeur spécifique et s'adapte à tout type de pousse-seringue électrique. Vous pouvez télécharger la procédure complète via le lien sous la vidéo. Un pousse-seringue électrique est un appareil qui sert à administrer des solutés, notamment des médicaments à des doses très précises, à faible débit et par voie intraveineuse. C'est un dispositif qui est composé d'un moteur qui entraîne un piston qui est relié lui-même à la seringue et qui contient le liquide à perfuser. Un clavier de commande permet à l'utilisateur de régler entre autres les débits des sorties du liquide de la seringue. Un pousse-seringue électrique fonctionne avec l'alimentation en secteur et sur batterie grâce à une batterie interne. Nous recommandons de laisser charger la batterie interne du pousse-seringue électrique avant de réaliser cette maintenance préventive et nous recommandons d'effectuer la maintenance tous les 6 mois. De quoi avons-nous besoin? D'une seringue de 50 ml, d'une seringue d'un autre volume comme 10 ml par exemple, d'un prolongateur adapté à cette seringue, d'un chronomètre, d'un bocal avec de l'eau et du produit détergent décontaminant spécifique pour dispositifs médicaux ou de l'eau chlorée à 0,1%. La procédure que nous vous proposons ici se décline en 8 étapes. Première étape, contrôle visuel. Nous allons vérifier dans un premier temps que notre appareil est en bon état, qu'il n'est pas cassé et que tout est présent. Le capot, le cordon électrique, l'écran, la tête d'accroche du piston et la trappe de la batterie. Nous allons ensuite nettoyer l'appareil avec un produit détergent désinfectant approprié aux dispositifs médicaux ou avec de l'eau chlorée à 0,1%. Nous allons vérifier que toutes les inscriptions sont lisibles sur les étiquettes telles que la marque, le modèle, le numéro d'inventaire, de nouvelles consignes d'utilisation. Deuxième étape, contrôle mécanique. On va vérifier que la fixation du pousse-seringue est en bon état. On va ensuite vérifier l'état du porte-seringue et de la tête d'accroche du piston de la seringue et que son déplacement le long de l'axe est fluide. Troisième étape. Contrôle à l'allumage. On va brancher, allumer notre appareil et vérifier que les voyants s'allument et qu'un bip sonore retentisse. On va vérifier le bon fonctionnement de tous les boutons. Ensuite, on va débrancher notre appareil et vérifier le déclenchement d'une alarme. On va également vérifier que le voyant de la batterie s'allume à la place du voyant secteur. Quatrième étape, test de la batterie. On va réaliser tous les tests suivants sur batterie. Si l'appareil s'éteint avant d'arriver au bout des tests, on va devoir changer la batterie. Cinquième étape, test de détection de la taille et du verrouillage mécanique de la seringue. On va insérer la seringue de 50 ml sur notre appareil. On va vérifier que notre pousse-seringue indique qu'une seringue de 50 ml à insérer ou sélectionner sur le pousse-seringue la marque et le volume approprié. On refait la même chose avec notre deuxième seringue. On pose alors notre seringue de 10 ml et on vérifie que notre appareil indique bien qu'on a mis une seringue de 10 ml. Sixième étape, test de débit, pré-alarme et alarme de fin de perfusion. On va remplir d'eau une seringue de plus de 50 ml. On connecte le prolongateur à la seringue et on élimine les bulles d'air. On insère la seringue sur le pouce-seringue. À l'aide du bouton adéquat, on va purger la ligne jusqu'à avoir précisément un volume de 50 ml d'eau dans la seringue. On va régler le débit de perfusion à 50 ml par heure. On lance alors la perfusion et démarre le chronomètre en même temps.
On vérifie qu'au bout de 30 minutes, la graduation sur la seringue soit précisément 25 ml. On va vérifier qu'aux alentours des 55 à 56 minutes, une préalarme sonore et visuelle de fin de perfusion indique qu'il reste moins de 5 ml à perfuser. On va vérifier qu'au bout d'une heure précisément, la totalité de l'eau est perfusée, c'est-à-dire que la seringue est vide. On vérifie que l'alarme de fin de perfusion retentit. Septième étape, test d'occlusion. On va remplir la seringue d'eau. On connecte le prolongateur à la seringue, on élimine les bulles d'air et on insère la seringue sur notre pouce seringue. On règle les débits de perfusion à 99 ml par heure. On démarre la perfusion. On va boucher le prolongateur pour simuler une occlusion. On attend un tout petit peu et on vérifie qu'une alarme retentit et que la perfusion est stoppée. Huitième étape, test de sécurité électrique. Nous vous renvoyons directement vers la procédure sécurité électrique que vous trouverez aussi en lien sous la vidéo. Une fois que nous avons vérifié notre appareil en suivant toutes ces étapes, n'oublions pas de compléter et d'archiver ce compte rendu et d'enregistrer les résultats de cette maintenance dans nos outils de suivi. L'appareil ne peut être rendu au service utilisateur que si et seulement si toutes les étapes sont validées. À vous de jouer !